Ok les amis, ici Romain, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour cette fameuse vidéo que je vous avais promis sur le 7 minute workout. On va voir en détail les 12 exercices qui composent donc cet entraînement intensif dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo. Voilà, dans la dernière vidéo, je vous ai bien expliqué pourquoi c'est super intéressant, qu'est-ce que ça apporte. Vous pouvez cliquer ici si vous ne l'avez pas vu. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer en détail les 12 exercices, puisque comme je vous l'ai dit, c'est important de bien les faire, hein, de ne pas les faire n'importe comment. Pour qu'il y ait le maximum de résultats, c'est important de bien les faire. On va voir tout ça ensemble dès maintenant. Un truc qui est génial avec le 7 Minute Workout que vous pouvez faire, c'est tout simplement prendre une application. Donc, vous voyez ici, j'ouvre mon appli. Moi, ce que je vous conseillais, c'était celle de 7, mais j'imagine qu'il y en a d'autres qui sont pas mal. Et vous avez juste appuyé sur « Commencer l'exercice ». Et voilà, vous avez donc le chrono qui démarre, vous voyez 12 exercices. Et en plus là vous avez une voix d'un chef militaire, donc c'est plutôt sympa. Et le chrono, ce qui est avantageux, c'est qu'une fois qu'on démarre le chrono, on peut pas tricher pendant l'entraînement, vous savez, le chrono est là. Donc on suit bien les exercices. Donc vraiment moi je vous conseille d'avoir l'application pour faire cet entraînement. Ok, on est parti donc pour ce premier exercice. Vous remarquerez qu'on est dans la chambre de mon pote, donc il y a vraiment pas beaucoup de place. Et pourtant, voilà, comme je l'ai dit, pas d'excuses au niveau du matos. Vous pouvez complètement faire cet entraînement. La seule chose dont vous avez besoin, c'est d'une chaise. On va la mettre ici. On est parti, donc premier exercice, les jumping jacks. Hop, on se met ici, tac. Donc on n'a pas forcément l'air super malin quand on fait ça. Essayez, donc voilà, pensez bien, c'est très simple comme exercice, pas grand chose à dire. Pensez bien à activer vos épaules, donc à faire le mouvement au maximum, de bien les chercher loin. Voilà, ici, de souffler tranquillement. Et ce qui est cool avec cet exercice, c'est que ça vous fait un bon échauffement. Donc en gros, vous n'avez pas besoin de faire un échauffement particulier avant le 7 minute workout, puisque avec les jumping jacks, vous avez une sorte d'échauffement qui est déjà bien sympa. Ok, deuxième exercice, la chaise. On va faire la chaise humaine. Donc pensez bien à mettre vos pieds à peu près à 45 degrés. Voilà, on reste ici, on ne bouge pas trop. C'est plus statique. C'est un très bon exercice pour vos jambes. Ça fait bien bien travailler les jambes, vous allez bien les sentir. Hop, et je crois que ça dure. Combien de temps ça dure la chaise? Bon, c'est chronométré, vous verrez à peu près, je crois que c'est 30 secondes de chaise. Ce qui est pas mal avec cet exercice, c'est que vous savez, c'est très mental, c'est-à-dire qu'il faut, se concentrer, c'est plus, voilà, c'est pas un exercice où on fait des répétitions, c'est plus un exercice mental, c'est-à-dire on se dit, voilà, je bouge pas, et vous allez voir, très bon exercice pour vos jambes. Ok, troisième exercice, les pompes, excellent exercice, vous devez sûrement le connaître. Donc je sais pas pourquoi je l'ai dit tout à l'heure que je savais pas combien de temps ça durait, c'est tous les exercices, c'est vraiment 30 secondes. Donc vous essayez de les faire bien doucement, pompe à peu près, écartement, largeur des épaules. On va bien gainer tout le ventre. Voilà, on va se mettre ici et on va descendre tout doucement, toucher avec le torse bien en bas et remonter. Vous voyez bien, c'est très important que les coudes viennent, voilà, se plient dans ce sens-là. Évitez de faire les pompes, vous savez, comme ça. Ça va bien vous servir, notamment quand vous allez travailler des mouvements plus avancés, d'apprendre à bien faire vos pompes avec les coudes qui restent proches du corps. Et vous allez à peu près à ce tempo là sur les 30 secondes éviter de faire ce que j'appelle les pompes branlettes, c'est à dire des pompes comme ça un peu, voilà, où on fait la moitié du mouvement et on va à fond, ça ne sert à rien. Prenez vraiment votre temps et faites les pompes en entier. Si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à les faire par exemple sur les genoux, pareil, appliquez-vous correctement. 30 secondes de pompe, c'est assez long, donc voilà, n'hésitez pas à la faire sur les genoux ou alors en posant vos mains sur la fameuse chaise. Donc en fait vous êtes un peu surélevé et vous venez faire votre pompe sur la chaise. Dans tous les cas, excellent exercice. Quatrième exercice, on va travailler nos abdos. Donc sur le 7 minute workout, il conseille le crunch, vous savez cela là. Moi perso j'aime pas trop, enfin ça peut aller, c'est un exercice qui peut passer, mais on va dire que je trouve que c'est pas, ça fait pas une sollicitation des abdos énorme. Donc je préfère le remplacer par des relevés de jambes. Vous allez tout simplement tendre votre corps au maximum, je sais pas si on le verra à la caméra. C'est un peu grand comme mouvement. Et vous allez tout simplement ramener en pliant vos jambes vers vous. Donc si vous les complétez, vous les ramenez carrément tendus ici. Ou sinon juste plier. Et vous allez faire en fait courber votre colonne. Et comme ça faire un petit... Et repartir devant. Voilà, c'est juste mon petit exercice d'abdos que perso je préfère, que je trouve plus intéressant. Ça peut aussi se faire à la barre, voilà, c'est l'exercice d'abdos. Et c'est donc le quatrième exercice. Ok, cinquième exercice et le premier donc avec notre fameuse chaise. C'est tout simplement, pas forcément un exercice super connu mais quand même bien sympa. On va tout simplement monter sur la chaise. Donc ici, hop, et on pousse et on essaie de descendre bien contrôler le mouvement. Donc là évidemment, essayez de pas trop vous aider de cette jambe. C'est à dire essayez pas de, si vous sautez comme ça évidemment, il n'y a aucun exercice. Et essayez pas non plus de descendre comme ça en mode. C'est vraiment, vous essayez de bien contrôler. Et vous redescendez tout doucement. Ensuite vous changez de jambe et pareil de l'autre côté.
Et vraiment, si vous le faites doucement pendant ces 30 secondes, vous allez voir quand même que c'est un très bon exercice pour les jambes. Assez simple, on va dire, assez débutant, mais quand même bien sympa pour vos jambes. Donc voilà, premier exercice avec la chaise, travaillez-le. Ok, sixième exercice, notre fameux squat, exercice essentiel au poids du corps pour nos jambes, super important. Donc l'idée, ça va être d'aller vraiment garder le dos droit et d'aller faire comme si on essayait de s'asseoir derrière. Donc vous pouvez carrément mettre la chaise d'ailleurs, la bonne chaise que vous avez, pour tout simplement débuter vos squats. À peu près écartement largeur des épaules, on ouvre un petit peu les jambes et on descend. Là, elle est un peu loin, tac, et on remonte. Donc ça, ça peut être vos premiers squats si vous entraînez au début. Pareil, on essaie d'y aller doucement, on essaie de bien sentir le travail au niveau des jambes. Et après, quand vous commencez à être meilleur, vous allez pouvoir descendre un petit peu plus bas. Donc là, caméraman, t'essaies de me suivre quand je descends. Hop, 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 hop. Et voyez, mon dos a dû s'arrondir un petit peu, j'ai encore un peu du mal avec le squat. Mais le but, c'est d'essayer d'aller le plus bas possible, de faire vraiment le mouvement en amplitude complète. Hop. Voilà. Donc ici, on a nos biceps, ici, on a nos triceps. Et c'est intéressant aussi de travailler les triceps. Du coup, pour ce septième exercice du 7-Minute Workout, on va tout simplement travailler nos triceps avec la chaise. Excellent exercice. Donc vous savez, il y a les fameux dips qu'on peut faire avec deux montants parallèles. Mais avant de savoir faire ces dips-là, qui sont quand même assez difficiles, hein, c'est un peu comme une traction, on n'en fait pas, on fait pas 300 répétitions de dips. Vous pouvez vous entraîner à faire les dips sur une chaise ou sur n'importe quoi que vous avez. Voilà. Vous mettez un petit peu droit au début, donc le corps bien aligné, bien gainé. Et vous allez tout simplement plier les bras, descendre tout doucement, bien contrôler le mouvement. Et quand vos fesses à peu près touchent le sol, vous poussez et vous repoussez donc avec vos triceps. Pensez bien à garder le truc aligné, essayez de ne pas trop faire que ça. Hein. C'est toujours pareil, essayez vraiment de faire le mouvement en complet. Excellent mouvement que je pratique encore bien souvent, même si j'arrive à faire des dips. Huitième exercice, cette fois-ci on va donc continuer à travailler nos abdos, mais avec un exercice statique bien connu, le gainage, la planche. Donc on va mettre nos deux mains ici, on va essayer de bien tenir notre corps. Il y a un truc qui est important à comprendre au niveau du pelvis. Donc il faut vraiment le rentrer pour bien gainer tout le ventre. Donc vous êtes ici, tac, c'est bien garder le dos droit, bien sentir votre ventre. Donc il ne faut pas mettre trop les fesses en l'air, il ne faut pas les mettre trop basses non plus. Sinon, bah, voilà, il y a moins de travail, donc vraiment bien engager les abdos. Et on tient comme ça pendant 30 secondes. Vous pouvez mettre vos mains comme ça, là, ici, 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 comme vous le souhaitez. Mais pareil, bon exercice statique avec le wall sit. L'idée, c'est surtout de tenir mentalement et de bien penser à garder le corps gainé. Neuvième exercice, pas grand chose à dire. Tout simplement monter de genoux, donc vous avez dû le faire en EPS, en cours. Essayez simplement de bien monter les genoux et vous essayez d'avoir la main droite et le genou gauche en même temps. Donc vous le faites au début au ralenti. Ça c'est Insanity qui me l'a appris. Tac, et après vous essayez d'accélérer un petit peu comme ça. Et vraiment donc être dynamique. C'est pas parce que c'est un truc simple qu'il faut en mode complètement lâcher. Vraiment essayer d'être dynamique sur ces montées de genoux pour donner le maximum. Vous êtes ici, vous allez simplement faire une fente en avant. On a eu un débat là juste à l'instant avec le caméraman sur comment bien tenir son corps sur au niveau des fentes. Donc voilà, essayez de bien être droit. On essaie d'avoir donc 90 degrés au niveau de ce genou là et de ce genou là. Et essayez d'être bien droit ici. Et on remonte donc ici. Voilà. Et donc vous pouvez faire, vous faites en fait tout simplement droite, gauche. Vous essayez de bien garder le dos droit. Essayez d'être dynamique. Si vous trouvez ça vraiment simple, vous pouvez tout simplement les faire explosifs. Donc c'est-à-dire que vous allez tout simplement descendre ici, vous poussez, passez un petit moment en l'air, et vous essayez de repartir. Hop. Excellent exercice encore. Ok, onzième et avant-dernier exercice de ce 7-Minute Workout, des pompes avec une rotation. Donc pareil, exactement pareil que tout à l'heure, une pompe. Sauf que quand vous êtes en haut ici, vous allez lever un bras et venir chercher au ciel. Venir rechercher au ciel. Donc tac, vous attrapez le ciel. Voilà, vous essayez bien d'avoir cette position. Alors j'ai vu sur les différents programmes qui montraient, gardez les deux jambes au sol. Vous pouvez garder, si c'est plus simple comme ça, vous gardez les deux jambes ici. Et si vous êtes motivé, vous pouvez carrément passer les deux jambes ici. Bon exercice de gainage cette position. Et ça permet de créer une petite pause entre les différentes pompes. Ok, et enfin le dernier exercice de ce marathon de 7-Minute Workout, le 12e. La planche sur le côté, donc pareil, gainage sur le côté. Vous allez en fait bien monter ici, essayer de bien être aligné. Voilà, c'est assez simple, c'est assez connu. On peut mettre les jambes comme ça ou par-dessus. Essayez de bien tenir. Un truc un peu plus dur que j'ai trouvé, moi, c'est de simplement la monter ici. Ça fait un peu plus travailler les épaules. Voilà. Et vous avez 15 secondes d'un côté, 15 secondes de l'autre.
Donc voilà, exercice qui est vraiment pas très dur, donc n'hésitez pas à le remplacer. Hein. Ce qui est génial avec le 7 minute workout, et c'est ça que je voulais vous dire, c'est que là je vous ai vraiment présenté les exercices de base, donc ceux qui ont été prouvés scientifiquement, qui sont vraiment cool. Mais si ça vous fait chier, si vous aimez pas, si vous trouvez que ça fait pas travailler suffisamment, vous pouvez mettre des tractions, vous pouvez mettre des dips, vous pouvez mettre ce que vous voulez vraiment, même avec des exercices avec des poids, etc. Voilà, c'est juste le 7 minute workout, c'est juste la base au niveau du tempo. Ok, voilà les amis, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me tester ça, j'espère que ça vous a donné des idées, vous avez pu voir un peu les différents exercices. Si vous y avez quelques fautes, j'espère vous avoir donné aussi quelques idées pour simplifier, compliquer ces exercices. N'hésitez pas à me tester ces 7 minute workout, donc soit en téléchargeant l'application, soit en allant sur YouTube, enfin voilà, vraiment c'est juste l'idée, c'est de bouger. N'hésitez pas, si vous trouvez ça trop facile, à le compliquer, à le faire deux fois, le faire trois fois, le faire quatre fois, le faire 46 fois. L'idée c'est juste que ça reste intensif, donc normalement vous devriez pas passer un bon moment, hein. Clairement, si à la fin du 7 minute workout vous êtes là, oh bah écoute c'était sympa Roman, ça va pas, vous devriez être là, putain quand même c'est, ok c'était pas mal. Et après prendre une bonne douche et du coup kiffer et se sentir super bien, plein d'énergie, plein de santé et avec du coup des résultats sur votre corps assez rapidement. Je vous laisse, je vous dis à très bientôt sur mon mouvement, c'était Roman, reste en mouvement, ciao.